Grand plaisir que nous sommes ici en tant que représentants du maire qui a eu un empêchement de dernière minute. C'est la raison pour laquelle il a envoyé une délégation constituée de moi-même, Hassan Diop, le premier adjoint, et la directrice de l'éducation et de la culture, ainsi que Madame Nia, ainsi que son chef de cabinet, Mamoudou Gueye. Je voudrais féliciter tout d'abord les récipiendaires et également le corps professoral. Quand on parle du lycée moderne, on passe toujours à l'excellence. Quand on parle du lycée moderne, on pense également à la performance. D'où les résultats qu'on a entendus tout à l'heure. Le taux de réussite en est la principale illustration. La municipalité continuera à vous accompagner, car l'éducation constitue un pilier fondamental pour notre politique locale, dont l'installation d'une commission relative à l'éducation, mais également une direction. Je voudrais dire aux élèves de persévérer davantage, car nous voulons les voir dans les plus grands sanctuaires de la pensée, mais également dans les plus grandes institutions. La ville de Rufisque, monsieur l'inspecteur d'académie, madame le proviseur du lycée, madame le censeur, mesdames et messieurs du corps professoral et de l'administration, chers parents et chers élèves, c'est avec un réel plaisir que j'assiste à cette cérémonie de récompense de nos meilleurs élèves aujourd'hui. C'est aussi un grand plaisir, une grande fierté empreinte d'humilité et d'émotion que j'ai accepté de faire partie des marraines de cette année. Le lycée moderne de Rufisque a toujours porté l'empreinte de l'excellence et les résultats du baccalauréat de cette année montrent que vous portez dignement le flambeau transmis par vos prédécesseurs. En cela, j'adresse mes vives félicitations et mes encouragements à Madame le proviseur et à tous ses collaborateurs. Le thème d'aujourd'hui illustre parfaitement votre engagement à faire du lycée moderne un modèle de par son esprit volontariste et progressiste. Et la crise des valeurs a atteint des sommets jamais égalés dans notre société. L'indiscipline, l'irresponsabilité, l'acculturation, l'échec scolaire, la dévalorisation de l'autorité étatique, des médias qui désorientent plus qu'ils n'éduquent, en sont des conséquences directes. Les bons usages d'Internet et des réseaux sociaux sont rarement abordés dans nos espaces de discussion. Et pourtant, Internet est l'un des plus grands accélérateurs de la perte de nos valeurs. L'apprentissage par Internet s'impose de plus en plus aux élèves et aux enseignants, qui n'y échappent pas. Parfois, on s'en passe même difficilement. Utiliser à bon escient
Internet peut bonifier l'expérience d'apprentissage des élèves et aussi aider l'enseignant à atteindre des objectifs pédagogiques. Les réseaux sociaux présentent plusieurs dangers, mais aussi plusieurs avantages lorsqu'ils sont utilisés sainement. C'est pourquoi il est important d'éduquer les jeunes à cet effet. Et le réel défi étant d'abord de se poser et de trouver la réponse à la question. Les médias sociaux et l'école peuvent-ils faire bon ménage? Donc voilà un sujet de discussion que je renvoie aux élèves. Parce que ce sujet, le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, est tellement actuel, tellement important, qu'on ne peut pas le vider en une seule séance. Je vous exhorte à continuer la réflexion et à répondre à ce sujet que je viens de vous donner. Les médias sociaux et l'école peuvent-ils faire bon ménage? Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer sans m'adresser encore une fois aux jeunes pour leur dire que c'est à eux de tracer les voies de leur réussite. Et sur ces mots, je vous réitère à tous et à toutes ma profonde reconnaissance et ma gratitude. Merci de votre aimable attention. Merci. Simplement insister sur le fait que le choix qui a été porté sur moi, c'est un honneur. Mais j'ai dit quand l'équipe est venue me voir dans mon bureau à Dakar, c'est presque pour moi comme un sport favori. Cela fait une quinzaine d'années que je me plais à soutenir, accompagner justement ce genre de cérémonie. Et je me bats depuis plusieurs années à promouvoir l'éducation des filles, notamment dans les disciplines scientifiques. Depuis ces années-là, beaucoup de jeunes filles sont devenues ingénieures, médecins, etc. Mon message, c'est trois choses principalement. Je voudrais d'abord m'adresser aux récipiendaires que vous êtes, chers élèves. Je voulais d'abord vous féliciter, vous dire bravo, parce que vous êtes des champions. Et un champion, ça se fête. Vous dire par la même occasion que vous êtes les pépites sur lesquelles nous devons veiller, et puis vous accompagner parce que vous êtes l'avenir du pays. Et souvent, on entend un discours qui n'est pas un bon discours. J'entends souvent, oui, ça ne sert à rien de faire de hautes études, parce qu'après les études, vous n'avez pas souvent de travail. Je dois vous dire, ici et maintenant, que c'est une assertion qui est fausse. C'est une assertion qui est fausse. Cela fait plus de 30 ans que j'exerce mon métier et je parcours le monde. Et je dois vous dire que demain, ce qu'on va vous demander, c'est qu'est-ce que vous avez fait comme formation? Quelle est votre spécialité? Donc, allez le plus loin que vous le pourrez dans vos études. Parce que vous allez vivre un monde de compétition plus que nous, on ne l'a vécu. Et dans ce monde de compétition, je puis vous assurer que ce sont les meilleurs qui s'en sortent. Je peux vous l'assurer. Il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, mais le monde dans lequel vous allez vivre va être un monde vraiment farouche. Et formez-vous. Formez-vous. Le plus loin possible. Et c'est pas moi qui le dis. Éduquer une fille, c'est éduquer toute une communauté.
éduquer une fille à devenir scientifique, c'est miser pour le développement de notre pays. Donc, à vous, mes enfants, continuez ce que vous êtes en train de faire. En plus des félicitations, je dois surtout vous encourager, parce que le plus dur reste à faire. Le plus dur reste à faire. Donc, restez constant dans l'effort, généreux dans le travail, et c'est ça qui paye. C'est pas autre chose. Donc, je suis content de voir effectivement que le ratio filles-garçons est quasiment respecté, mais il y a plus de filles. Oui. Et ça, c'est très bien. De mon séjour natal, on a déjà longuement parlé, excusez-moi. Sinon, je dis simplement que le thème de cette journée, choisi cette année par le comité scientifique à travers révolution numérique et crise des valeurs, le salut par l'éducation, est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui mériterait une réflexion approfondie sur les solutions formelles. Malgré les nombreux avantages de la révolution numérique, force est de constater que les enfants les plus touchés par cette crise des valeurs ont besoin d'être réorientés dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Certains sites et applications font le plus souvent beaucoup de dégâts dans la conscience et le comportement des élèves et sont à l'origine de ce que nous convenons d'appeler la crise des valeurs. Dès lors, il demeure fondamental pour le corps enseignant, les parents comme l'administration, de veiller à l'utilisation judicieuse de Internet avec les enfants. L'éducation civique au niveau des établissements scolaires et lycées devrait prendre une grande part dans l'enseignement pour pouvoir aboutir à une prise de conscience et éviter une probable déperdition de notre jeunesse, avec bien sûr l'accompagnement des autorités publiques. Aujourd'hui, à la tête de la commune de Rutgers-Est, je me rends d'autant plus fier des résultats scolaires enregistré cette année au niveau du lycée modèle de Rufus. Ce palmarès s'est prorogé au-delà des frontières de la ville jusqu'à atteindre le niveau national avec un premier prix du concours général du Sénégal en allemand en la personne de mademoiselle Yassine Sarabou. Chers élèves, plus que satisfaisant, les résultats au baccalauréat 2022 ont montré votre bravoure. Ils ont également montré votre persévérance dans l'effort. Soyez sûrs que les parents que nous sommes sont fiers de vous. Merci encore, cher bachelier. Sur un total de 536 candidats au baccalauréat pour la session 2022, le lycée modèle s'est trouvé avec 81% de réussite, soit 103 mentions, dont 6 bien, on l'a dit tout à l'heure. Ces résultats sont largement au-dessus de nos espérances, et prions qu'il le soit davantage l'année prochaine. Nous, le maire de la ville de Rufus, c'est le maire de la commune de Rufus-Est, c'est le maire de la commune de Rufus-Nord, c'est l'inspecteur d'académie, c'est le parrain, madame la proviseure, c'est
professeurs, anciens professeurs, chers élèves, invités. Vous comprendrez que c'est avec une grande émotion que je prends la parole aujourd'hui pour vivre aussi, ici devant cette assistance, pour m'exprimer à l'occasion de cette importante cérémonie de distribution de prix. Émotion liée à mes souvenirs en tant qu'ancien élève, mais aussi de la première promotion du lycée. Souvenir de ce beau bâtiment avec les commodités qui n'existaient nulle part au Sénégal, qui nous ont été offertes pour apprendre. Souvenir de ces excellents professeurs que j'ai vraiment le plaisir de retrouver. Je vois M. Mbou, j'ai dit M. Simon tantôt, M. Wagé, pour ne citer que cela. Souvenir aussi de l'administration de l'époque qui était vraiment incarnée par des personnes de valeur. Je vais nommer le proviseur M. Fangai, qui tenait à l'excellence au niveau de ce lycée. Madame la secrétaire générale, Madame Diouf, qui était aussi une maman pour les élèves. Monsieur le censeur Diallo, qui tenait au respect des valeurs, à l'habillement, à la tenue. Véritablement, c'est un grand souvenir que j'ai aujourd'hui à prendre la parole ici. Et pour dire que si nous sommes devenus aujourd'hui autorité politique, si je suis devenu maire de la commune de Ségoubata, c'est en partie et en grande partie grâce à cet encadrement que j'ai obtenu ici au niveau du lycée de Rufus, au niveau du lycée Moder. Et le message que je vais lancer aux élèves, à mes cadets, élèves, cadets et sœurs, c'est de persévérer dans l'excellence, de continuer à bien travailler. La réputation du lycée ne se limitera pas aux résultats obtenus au baccalauréat. Cette réputation sera aussi mesurée à ce que va devenir ces élèves sortis du lycée. Nous espérons que demain, comme l'a dit tantôt dans son discours, nous verrons des élèves sortis du lycée de moderne de Rufus devenir de grandes personnalités ici au Sénégal, dans la sous-région et dans le monde. C'est le souhait que j'ai pour tous ces élèves, les souhaits de réussite, mais aussi c'est le message que je vais lancer à ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'exprimer aujourd'hui, de redoubler d'efforts pour que les années à venir, ils puissent obtenir des distinctions à l'occasion de ces ans de cérémonie. Féliciter tous les nouveaux bacheliers, les souhaiter une bonne carrière, en tout cas dans les études supérieures, et une bonne réussite dans les activités professionnelles. Voilà ce que j'avais à dire comme quelques mots, et je vous remercie de votre attention. En face de vous, la personne qui a su forger notre personnalité, nous, en tant qu'élèves, celui qui nous a inculqué les valeurs de l'excellence. Si aujourd'hui on s'est battu pour être ici aujourd'hui en tant que maire de la commune de Rufus Nord, elle y a beaucoup contribué. Je tenais aujourd'hui en face de vous, vous ses élèves, mais également en sa qualité de proviseur du lycée moderne de Rufus, lui adresser mes remerciements. L'occasion peut-être ne nous est pas permis tous les jours de lui présenter nos remerciements, mais je suis en train de prendre beaucoup d'émotions. Il y a une charge émotionnelle qui commence à me prendre juste parce que je ne sais pas comment la remercier. Je ne saurais vraiment terminer pour lancer un appel à ces élèves qui viennent d'être primés aujourd'hui. Vous savez, quand on vous tire parmi tant d'autres élèves et on vous prime devant vos camarades, c'est pas le prix qui est le plus important, mais c'est le message qui est lancé qui est le plus important. L'excellence, c'est un comportement de tous les jours. Devant vos parents, devant vos camarades, on vous a primé. Cela ne veut pas dire que vous êtes meilleur que vos camarades. Mais c'est un message qu'on lance à vos autres camarades pour leur dire que demain, vous devez être là. C'est ça en fait. Quand vous êtes devant, c'est pour tirer les autres. Ce n'est pas pour montrer que je suis meilleur que les autres, mais c'est pour les tirer vers l'excellence. Demain, nous souhaiterions, l'année prochaine,
avoir plus d'élèves, mais d'autres élèves qui seront primés ici. Parce qu'ils auront vu que leurs camarades ont été primés cette année. C'est le message que le proviseur, c'est le message que votre professeur a voulu vous lancer. C'est pas pour hier qu'il s'est vraiment investi pour organiser cette journée-là. C'est pas pour rien. C'est pas pour dire que vous êtes meilleur, mais c'est pour dire aux autres, demain vous devez être là. C'est le message que je voulais lancer. Parce que c'est ce message-là qu'il nous a lancé quand elle nous a eu en seconde, en première et en terminale. Il nous a dit que demain vous devez être parmi les premiers. Pas pour parce que vous êtes les meilleurs, mais parce que vous devez donner l'exemple. Et c'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je suis battu pour être le meilleur de la commune de Roussillon parce qu'elle a eu à m'inculquer ces valeurs-là. Donc c'est ce message-là que je voulais lancer. Proviseur, encore une fois, merci beaucoup. Et vraiment, je me désole aussi encore une fois du retard parce que je voulais être là à l'heure et peut-être faire la fête avec vous dès le début. Mais contre les contraintes de la municipalité, de mon travail de maire. Le brillant professeur de philosophie. Tout en l'écoutant, j'étais en train de me dire, s'il avait fait ce discours-là avant le baccalauréat et que par chance les élèves tombent sur un sujet sur la crise des valeurs et le numérique, c'est sûr qu'on aurait eu 10 fois plus de mentions que cette année. Monsieur le conférencier, merci. Mais quels que soient les points et les recoins du thème visité, nous tous, nous sommes interpellés. Comme acteur, notamment l'acteur du système principal que je suis. Déjà dans la formulation du terme, quand on dit crise des valeurs et révolution numérique, le salut par l'éducation, la lecture est tout simple, monsieur le parrain. Ça veut dire qu'il y a une crise des valeurs, c'est dû en grande partie par la révolution numérique. Quelle est la solution? La seule solution qui est là, c'est l'éducation. Voilà ce que l'intitulé du terme peut nous dire. Et donc, cela suscite beaucoup de questionnements. Quelles valeurs devons-nous protéger? Parce que dans l'Internet, on trouve aussi des valeurs. Certains diront des contre-valeurs. Quel est l'impact de la révolution numérique sur ces valeurs-là? Quel rôle, surtout, l'école peut jouer pour préserver les valeurs cardinales de notre société face à cette révolution numérique? Je l'ai dit, le conférencier, avec son brillant exposé, a défini les valeurs de notre société. Il s'agit donc de valeurs transtemporelles, les acquis historiques qui, depuis des siècles, comme il l'a dit, constituent le socle de notre société. Et ce sont ces valeurs-là de la société traditionnelle, ces valeurs culturelles et cultuelles que vous appelez le foule, le djom, le ngor, le kersa, le soutoureux, des valeurs que monsieur le parrain a visitées en les citant en français. Ce sont ces valeurs-là. Et pour les visiter, je n'irai pas très loin. Je vais vous inviter à visiter la loi d'orientation 91-22 du 16 février 91, un des textes fondamentaux qui régisse l'éducation nationale, que d'ailleurs l'établissement cite dans son préambule de règlement intérieur que nous sommes en train d'étudier, et où on vous dit que l'école nationale, l'éducation nationale tend à promouvoir les valeurs dans lesquelles la nation se reconnaît. Elle est éducation pour la liberté, la démocratie pluraliste et le respect des droits de l'homme. Développant le sens moral et civique de ceux qu'elle forme, elle vise à en faire des hommes et des femmes dévoués au bien commun, respectueux des lois et des règles de la vie sociale et œuvrant à les améliorer dans le sens de la justice, de l'équité et du respect mutuel. Fin de citation. J'étais en train, en terminant sa citation, de penser au discours de la représentante des anciens de l'école. Ce qu'elle a oublié de vous dire, elle a cité des docteurs, des ingénieurs et autres, mais elle a oublié de vous dire qu'elle aussi, elle est doctorante et elle a commencé même à intervenir à l'université. On doit conscientiser les parents, merci pour les parents, pour qu'ils soient plus vigilants, car au-delà de l'éveil des consciences, il y a aussi un contrôle à exercer sur les jeunes. Monsieur le parrain parlait de liberté. Nous, les parents, devons-nous laisser les enfants totalement libres devant Internet? Non, je suppose. Alors, donc, ces parents-là doivent veiller. L'école puisse, pour que l'école puisse faire cela, ce serait vain s'il n'y a pas de suivi ni de contrôle sur l'accès à certains outils.
C'est ainsi donc que nous en appelons à l'engagement et à la vigilance de chaque parent pour que l'école puisse réussir sa mission première, former des citoyens capables de rendre ce pays meilleur. Je cite la loi d'orientation des hommes et des femmes capables de travailler efficacement à la construction du pays. Je voudrais ici donc, avant de terminer mon propos, mesdames, messieurs, remercier toute l'administration du lycée avec à sa tête le proviseur et tous les personnels du lycée. Profitez de cette occasion aussi pour vous féliciter tous car vous avez fait de très bons résultats au baccalauréat, 81% avec 103 mentions, dont 16 bien. Il faut être le lycée modèle pour le faire. À trois niveaux. D'abord au niveau familial, ensuite au niveau de la communauté, mais surtout l'essentiel doit se faire au niveau de l'école. Et on a vu dans tout le Sénégal que le statut d'éducateur a changé d'éducateur à transmetteur de savoir. Que les profs, ils donnaient les cours et ils s'en allaient. Et ce n'est pas cette réalité que moi j'ai vécue au lycée moderne. Au lycée moderne, c'est des pères de famille que j'ai rencontrés. C'est des mères de famille que j'ai rencontrés. Moi je suis de nature très rebelle. Je fais beaucoup d'activités, j'avais perturbé tellement de professeurs. Mais à chaque fois, c'est Matou, tu dois te comporter comme ça. Matou, tu dois faire ceci. Matou, tu dois faire cela. Je représente les enfants au niveau national. Je représente les enfants du Sénégal. Mais même pour mes discours devant les ministres, même pour les discours devant le président de la République, c'est mes professeurs qui me disent Matou, il faut mettre l'accent sur ça. Matou, il faut mettre l'accent sur tel point, sur tel autre point. Il m'arrive de débattre avec les élèves parce qu'à chaque fois on dit votre école là c'est carrément le métis, c'est Bangor. Et